Bonjour, bonsoir sur la place de la République. Nous sommes le 92 mars et nous nous retrouvons à nouveau aujourd'hui. Nous pensons beaucoup à toutes ces personnes qui sont sous la pluie et qui sont peut-être en souffrance parce qu'ils ont perdu peut-être leur maison ou en tout cas ils ont dû quitter leur maison très rapidement. On va commencer le JT aujourd'hui. Il y a très peu d'informations au fond, une dizaine d'informations étrangement puisque on n'a pas émis depuis, on n'a pas émis hier, on n'a pas fait d'émission hier. Mais il n'y a qu'une dizaine d'informations. D'abord, évidemment, la première information, c'est qu'il ne faut pas oublier de vous informer partout, pas seulement sur TV Debout, évidemment, et vous pouvez aussi vous informer sur la Gazette Debout, sur le Twitter et le Facebook de Nuit Debout. Vous pouvez aussi vous informer grâce aux streamers qui sont toujours dans l'action et vous verrez que à travers toute la France, ils sont toujours au point et toujours au top pour être au courant de tout. Et puis évidemment tous les autres médias, il ne faut pas vous contenter d'une seule source d'information, c'est très important. Si vous voulez nous suggérer des informations, n'hésitez pas, vous pouvez passer par l'adresse email tv@gmail.com. Donc ce soir je suis malheureusement tout seul, demain on reviendra en équipe et puis au fur et à mesure on va, voilà, ça va rouler, ça va tourner. Donc d'abord on va commencer donc par un tirage au sort. Est-ce que vous pouvez me dire un chiffre entre 1 et 14? Alors, 8. Ça arrive. 8. Ah oui, la bonne blague. Erdogan condamne la répression policière. Oui, Erdogan, le fameux premier ministre turc, qui est reconnu pour son respect de la liberté de la presse en Turquie. Et qui aujourd'hui est en train de nettoyer la place Gezi et qui fête son anniversaire de son occupation, bah lui est en train de condamner la répression policière, ce qui est quand même assez incroyable. Une autre info, entre 1 et 14, sauf le 8. 4. Donc, c'est cette militante CGT et qui est rescapée d'Oradour-sur-Glane qui a refusé la Légion d'honneur donnée et données par Manuel Valls. Incroyable. Elle a considéré que dans le contexte actuel, il lui est impossible d'accepter de sa part une distinction, alors qu'elle est totalement solidaire des luttes menées depuis 2 mois par les salariés, les jeunes et une majorité de députés et de Français contre la loi travail que Manuel Valls vient d'imposer par le 49-3. À près de 92 ans, cette femme a encore beaucoup de courage. Et c'est défendre ses valeurs. Bravo. Un chiffre au hasard. 8. Déjà dit 8. 2. 2. Donc c'est la charge. Et oui, tout le monde a entendu parler de ça. Notre ami Pierre Gattaz, le président du MEDEF, a attaqué et a traité de terroriste Philippe Martinez. Suite donc aux occupations et aux différents blocages à travers la France. Alors, je voudrais juste rappeler juste un petit élément, c'est que quand on traite un terroriste, une personne de terroriste aussi près des attentats du 13 novembre, ça doit quand même un peu faire mal au cœur. On est à République, on n'est pas très loin du Bataclan. Je pense que là, ça va vraiment beaucoup trop loin. C'est insupportable de pouvoir entendre ce genre de choses. Une autre info ? 1 ? Ah, 1. Ce sont les blocages. Alors, le point blocage d'aujourd'hui. Aujourd'hui, Rouen, ville morte. Rouen a été bloqué en 4 à 5 endroits de manière suffisamment stratégique pour bloquer complètement la ville. Ivry-sur-Seine. Donc, la déchetterie a été bloquée depuis hier. Malheureusement, elle a besoin d'aide aujourd'hui puisque je crois que les CRS vont essayer de la débloquer. Parce qu'il y a eu un mouvement pour bloquer Romainville et qui a échoué puisque la déchetterie de Romainville a été débloquée. Saint-Ouen aussi, la déchetterie de Saint-Ouen a été débloquée. Fos-sur-Mer, 41 navires sont touchés par le blocage des terminaux pétroliers et de Fos-sur-Mer et de l'Avera, donc dans les Bouches-du-Rhône. À Bordeaux, le collectif de lutte a été nassé et au niveau du pont de la Mai.
où elle a essayé de bloquer et elle a réussi quand même de manière assez efficace. La CGT a privé d'électricité l'inauguration de la Cité du Vin par François Hollande et Alain Juppé. On a très peu parlé, peut-être que vous avez vu des images de l'inauguration de la Cité du Vin. Peut-être qu'il y a des images justement du blocage, de l'extinction de lumière, d'électricité qui a eu lieu à la Cité du Vin. Voilà, la CGT a agi à cet endroit-là. En Belgique, à la prison de Lantin, les gardiens ont voté pour la poursuite du blocage. Donc 299 votes pour et 4 contre. En Belgique, toujours, le train TEC Liège-Verviers poursuivent un blocage jusqu'à demain après-midi. À Saint-Étienne, un blocage du ramassage des ordures en régie directe. Donc 80 éboueurs sur 120 au total se sont mis en grève ce mardi et bloquent le dépôt de camions en empêchant la collecte des ordures, selon la CGT-FPT. À Miramas, les syndicats bloquent la plateforme logistique de Clé Sud. Donc les syndicats CGT et FO et Solidaires se sont associés pour passer à l'action ce matin, dès 6h du matin à Miramas. Et les militants ont investi le rond-point de Toupinière dans la zone de Clé Sud pour bloquer justement ces plateformes logistiques. À Lorient, il y a eu un blocage des remorqueurs. À Nantes, il y a eu un blocage des camions poubelles. À Nice, il y a eu une opération gratuite. Gratuité ce matin sur la 8 à Antibes. Donc c'est Nuit Debout Nice, c'est Nuit Debout Nice qui a fait le blocage du côté de Antibes. À Guerza, il y a eu un dépôt de carburant aussi qui est bloqué. C'est le dépôt de carburant Bolloré. Voilà. Donc beaucoup de blocages, c'est encore très actif. Tout notre courage, tous nos encouragements à la déchetterie d'Ivry, qui est la plus grande déchetterie, le plus grand incinérateur de la région Île-de-France, qui est encore, je crois, alors qu'il est bloqué et occupé. Un autre chiffre. Donc des tribus amérindiennes se battent aujourd'hui contre la mise en enchères d'objets sacrés. Parce que figurez-vous qu'en France, on ne fait pas la différence entre les objets sacrés et les objets... non sacré, j'ai oublié, il y a un terme bien précis pour ça, excusez-moi. Donc ils ont dû effectivement, c'est pas qu'ils ont dû, c'est qu'ils protestent contre cette confiscation et ce non-respect de leur tradition. Donc évidemment, suite à l'attaque de Pierre Gattaz, la CGT a décidé de porter plainte contre l'agression verbale et l'exagération de Pierre Gattaz. Et donc plainte pour diffamation évidemment. Nous sommes presque à la fin. Le 11. Alors le 11 c'est l'occupation. Non. Le 11 c'est le MEDEF qui invite les patrons à porter plainte contre la CGT en cas de gêne de travail. Un autre chiffre. Le 12. Alors là, je le fais de tête parce que je l'ai vu sur Twitter tout à l'heure. Julien Assange. Voilà, Julien Assange qui considère que François Hollande est une véritable escroquerie. Voilà. C'est lui qui le dit et ça a été publié sur Le Figaro. Moi, je ne sais pas si on a le droit de dire de choses. Je crois que normalement, la liberté d'expression fait qu'on a le droit de dire ce genre de choses. Mais on a... Le droit a l'air d'être tellement plutôt du côté de l'État en ce moment qu'on ne sait pas trop si on a le droit de s'exprimer comme ça. Au suivant, il y a Hôpital Debout à la gare Montparnasse. Donc on va vous montrer quelques images. Donc ce matin à 6h45, des nuits deboutistes, des CGTistes, des syndicalistes, des gens d'Hôpital Debout ont fait une action à la gare Montparnasse pour montrer le danger que pouvait représenter pour nous autres, usagers des transports, le fait de ne pas prendre, de ne pas payer correctement et de ne pas payer de manière digne et respecter le travail des cheminots. Donc un certain nombre de personnes se sont retrouvées allongées au sol avec des panneaux pour montrer les dangers que ça pouvait provoquer. Ouais. Sous le regard médusé des voyageurs qui arrivaient à cette heure-là.
Et 9, la dernière info. Non, il y en a encore 2. Donc entre 9 et 10. 10. Donc il y a eu une action aujourd'hui devant le ministère de la Santé. Donc non aux GHT et non aux usines à soins. Donc c'est une action qui a été filmée aujourd'hui par Molo sur Periscope. Et donc je vous invite à regarder, à aller voir. Désormais la Gazette Debout publie le conducteur de notre JT. Et donc si vous allez sur la Gazette Debout, vous allez pouvoir trouver tout le conducteur du JT et donc retrouver le périscope de Molo qui a filmé justement la manifestation devant le ministère de la Santé. Et donc la dernière info, donc le 9, l'éditorial du Frankfurter Allgemeine Zeitung, qui est un très grand journal allemand, a titré que c'était Hollande était fini, que c'était la fin pour lui. Donc même l'Allemagne considère que Hollande n'est pas la bonne personne pour réformer le droit du travail et que nous allons droit dans le mur. Voilà, je vous remercie de votre attention. On se retrouve un peu plus tard, dans une dizaine de minutes, donc avec Médiation Nomade, qui est une association qui donc va dans les banlieues et crée un lien entre les banlieues et leurs habitants, et pour essayer de favoriser le retour du dialogue dans les villes et dans les communes. À tout à l'heure.